Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Napoléon Total War. Et après avoir fait la campagne d'Italie, après avoir fait le Didacticel, ben aujourd'hui nous allons continuer notre campagne en nous attaquant à la campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte a lieu après la campagne d'Italie, donc 98-1800, pour Napoléon Bonaparte, son armée d'Orient, le défi de taille, il s'agit de conquérir l'Égypte et de marcher vers l'Inde. Une fois en Inde, ils se joindront aux forces de Tipu Sultan, le Tigre de Mysore, pour repousser les Britanniques, maudits soient-ils, jusqu'à la mer. L'entreprise est d'envergure, mais le général Bonaparte est lui-même un homme d'envergure capable de mener à bien. Pour en arriver à rien, de nombreux obstacles sont à franchir. L'Égypte est sous le coup des Mamelouks, eux-mêmes assujettis en principe à l'Empire Ottoman. Dans le désert, sous le soleil de plomb, les Français doivent marcher sur Alexandrie et briser toute résistance dans cette cité avant de poursuivre leur conquête. C'est ici, sur la terre sacrée d'Égypte, que la gloire est à portée de main. Assez de gloire pour essayer sur toute la France et peut-être sur le général Bonaparte. Et je vous laisse avec la cinématique de début de campagne. C'était un âge d'exploration et de conquêtes aux quatre coins du globe. Mais où qu'ils aillent, les Britanniques représentaient une menace. Leurs navires étouffaient nos échanges commerciaux. Plus l'Angleterre s'enrichissait, plus la France souffrait. Dans la chaleur de l'été, Napoléon posa le pied en Égypte. L'Orient et ses richesses seraient bientôt à nous. L'Égypte. Ici, le sable murmure le récit des victoires et des splendeurs d'antan. Ici, Napoléon sentit 40 siècles d'histoire peser sur ses épaules. Jusqu'à présent, je n'ai rien accompli, dit-il. Mais le désert est rude, sans pitié. Il ne suffit pas d'être courageux pour rester en vie. Après avoir arraché Alexandrie des mains des Mamelouks, la France doit concentrer son attention sur leur chef, Mourad Bey, qui s'apprête à rallier ses troupes au Caire. Faites-le tuer. C'est la seule solution si vous voulez remporter la victoire en Égypte. Selon toute probabilité, l'Empire ottoman comprendra très vite quelles sont vos intentions et enverra ses troupes vers le sud jusqu'à son territoire égyptien. Les forts d'Arich, de Jaffa et d'Acre sont les principales places fortes jalonnant leur itinéraire, si bien qu'il vous faudra les prendre pour avoir une chance de les retarder. Si l'armée ottomane stationnée dans la région du Levant n'est pas très puissante, restez quand même sur vos gardes. La sublime porte enverra sûrement en renfort des armées provenant d'Anatolie ou de Grèce. Ces troupes d'élite sont rompues aux techniques européennes de combat. On les connaît mieux sous le nom de Nizam Issédide. Pour couronner le tout, les Britanniques ont envoyé Horatio Nelson en Méditerranée orientale. Cet amiral des plus compétents a pour mission de bloquer vos itinéraires de repli. Tant que la base navale britannique de Chypre sera active, aucune des denrées ni aucun des renforts envoyés par la France n'arrivera à destination. Et n'oubliez pas que vos ennemis peuvent vous attaquer par la terre comme par la mer. Assurez-vous que les villes et villages que vous venez de conquérir sont bien défendus pour éviter toute mauvaise surprise lorsque vous consulterez la progression de l'armée française dans cette région. Voilà. Le Caire. Officiellement, ces anciens soldats esclaves sont des administrateurs de l'Empire ottoman. En réalité, ce sont eux qui gouvernent l'Égypte. Ils ont prétexté voir libérer le pays de leur joug pour pouvoir revenir, bien que les Ottomans aient rapidement compris qu'ils étaient joués. Notre priorité est de saper le moral des Mamelouks. Si nous nous emparons du Caire, leur armée sera réduite à une poignée d'hommes bien peu dangereuses et l'Égypte sera à nous. Alors. Tac. Respublica. Alors, ici. Il n'y a aucune utilité à avoir des ports militaires dans cette partie à ce niveau. Alors, la complexité, c'est qu'il faut réussir à. Alors, est-ce que les missions ont déjà été mises? Briser le con? Non, pas encore. Voici ici mes objectifs. En fait, la technique. Ils ont une flotte qui ne peut pas être vaincue.
La technique, c'est de réussir à faire une armée qui débarque ici pour péter ça, pour avoir accès aux renforts. Au niveau d'Alexandrie, qui est donc notre capitale régionale, donc nous avons accès. Est-ce que. Ah, j'ai pas accès aux technologies encore, c'est chiant, punaise. Centre industriel, bon, toi tu vas aller rapidement au Caire. Ici. Je ne peux plus continuer. Intéressant de faire ce bâtiment pour réduire les coûts de prod. Napoléon. Oui, votre humble serviteur. Voilà, fusillé de lui. Donc, je commence à avoir des unités de bonne manufacture, 40-50. Excellent. Comme troupe, j'ai les chasseurs à cheval, donc ça c'est génial. Alors toi, c'est un général supérieur ou autre. Ici. Je crois que je n'ai aucune utilité à avoir une unité en dessous. Les chevaliers, tac tac tac, résistant à chaleur, c'est ça. Alors, ouais, cette armée-là, c'est l'armée d'élite, bien évidemment. Votre humble serviteur. Est-ce que tu peux prendre cette armée? La victoire, à nous. Parfait, on occupe. Tenez-vous prêt. Tuc, parfait. Cette armée-là a pour but d'aller sur le Caire. C'est là où ils ont la ville principale. Alors, bien évidemment, on commence par des petits trucs ici. Est-ce que c'est utile d'avoir beaucoup de fonderies d'artillerie ici? Au pire, je fous tout mon truc de recrutement là. Quoique. Quoique. Préparez-vous, marchez. En avant. Peut-être un peu trop gourmande. Toc. Toc, on va faire ces deux unités en plus et on sera bon. Votre humble serviteur. Je demande de me construire ça. Parfait. Ouais, faut que ce soit pas les trop centres culturels sont les moteurs de l'éducation dans toute nation. Ils vous permettront de construire des écoles et des universités où les plus intelligents s'instruiront et feront progresser le savoir, ce qui profitera à toute la population. Il en existe un au Caire. Prenez cette région pour pouvoir exploiter son infrastructure éducative pour le bien de la République. La technologie. Aéronautes, les ballons d'observation donnent une vue d'ensemble de toutes les unités. Sillonner l'azur et choses en remet également un moyen de se couvrir de gloire. C'est-à-dire que ces scientifiques bénéficient d'une vue imprenable. Voilà. Donc ici, ça, on avance. J'aurais pu faire une bifurcation ici, je suis en train de me dire. Ça aurait pas coûté grand-chose et ça aurait pu être bien pris. Bon, c'est pas grave. Ici, ça sera une ville à 4 slots, donc je pourrais tout mettre dans cette ville. Si je renforce ça davantage, ça va augmenter ma richesse par tour. Il y a
des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Mon général, il nous est impossible d'appeler des renforts. Sauf en vous avez entraîné les Britanniques contre Chypre et ses eaux territoriales. Nous savons que ces traitements autorisaient aux Britanniques, les Britanniques à faire de l'île en base mitaise. Nous parvenons à les conquérir, nous pourrons nous réapprovisionner. L'entreprise est extrêmement dangereuse, il serait préférable d'asseoir notre position en Égypte sur la terre ferme. Ils sont d'humeur audacieuse, cette situation est envisageable. Attention, la mer est en prédilection de nos ennemis, la flotte Nelson sillonne toujours la Méditerranée. 4000 de trésor. Hop, ici on est bon. Alors. Voilà, ce qui m'intéresse, effectivement, ici on voit tout. Donc, de technologie qu'on peut avoir. C'est ce bâtiment là que je voulais voir. Ah non, c'est pas un bâtiment, faut que je capture ça. Alors, ici. Attaquez ! À gauche, marchez ! Assiégez-les ! À vos ordres ! Oui ? En avant ! Préparez les troupes pour la bataille ! Alors, toc. Nous sommes puissants ! Nickel. Et hop là ! Voilà. Voilà, nouvelle ville de capturer. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en capturant c'est des villes avec pas mal de richesses au début. Juste que je sache c'est quelles qui sont réglementées là. Les deux sont restants aux chaleurs. Tac. Ici ça diminue de. On va voir. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris une région qui contient un centre culturel. Vous pouvez donc lancer des recherches. Le Caire, monsieur, la deuxième plus grande ville de l'Empire ottoman où se trouvent certains érudits et plus savants de l'islam. Son université d'Axar est aussi célèbre au Moyen-Orient que l'université de Paris en France. Avoir conquis une ville de cette envergure et à l'histoire aussi riche pour un véritable exploit, savourez votre victoire. Je vous laisse imaginer que. Ah bah déjà, excellent. Coût d'entretien, ça c'est bien. Voilà, c'est ça que je voulais débloquer pour voir un truc. On débloquerait grenadiers et dragons. Alors toi t'es plutôt un banquier. Technologie civile. Ce niveau ici, si on peut. Alors ici, il y a plusieurs choses importantes. Ça et ça. Ici, on voit bien l'état ennemi. Alors le problème, c'est qu'effectivement. Alors attendez, ici, j'ai ma fonderie d'artillerie. Donc j'ai plus besoin de cette fonderie d'artillerie là. Par contre ici si je pouvais construire un bâtiment ça pourrait être intéressant. Après il y a des petites villes là. Et en fait, le problème de capturer ces villes-là, c'est qu'effectivement, pour y accéder, il faut traverser le désert. Et le désert est... Voilà, vous voyez que ça me... Je vais me taper, se dire... au moins deux tours d'attrition pour prendre une de ces villes. Donc finalement, on les ignore un petit peu. Par contre, si je fais ça... Logistique, c'est un truc très bien. Portée de déplacement. Hop, bon, on va bien voir. Il y a
à des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître. Alors, ici aussi. Alors, augmenter, ça me permettra de faire beaucoup plus vite les technologies. Jaffa. Nous avons expulsé Mamouk du Caire, mon général, mais je crains qu'il ne soit trop tard pour prendre du repos. Nos agents nous rapportent que le sultan ottoman est envoyé avec de nouvelles troupes d'élite vers le sud et un grand contingent de soldats turcs s'apprête à embarquer à Rhodes. Nous devons marcher vers l'est et entrer en Syrie pour barrer la route aux Ottomans. Jaffa, pour commencer, est une excellente. Cible. C'est une des villes portuaires les plus importantes dont nous prendrons Acre. L'importance stratégique de Jaffa s'avère en tant que cité marchande, faisait une cible de choix. Alors, ici, comme la population est mécontente, ça fout en l'air l'ordre public. En avant, marchez. Bataillon prêt. Hop là. Bataillon prêt. Bah, toute la complexité, c'est d'avancer en fait par petits bonds. Alors, ici, ça me doublera ma. Voilà, je vais en faire deux ici. Voilà, ici normalement au prochain tour, ça sera bon, l'ordre public. Ici, non. À la rigueur, ici, ce qu'on va faire, c'est. On va faire 3 unités. Le but c'est d'avoir 2 armées en fait assez fortifiées. Surtout que là je gagne pas mal de richesses par tour. Faut en profiter à fond. 2000 ici. Ici on voit effectivement. C'est un tout petit peu bugué par contre. Le coût de l'administration ou autre, les pourcentages. Donc pas de panique. Ici. Voilà, l'ordre public ramené, pas de souci. Ici, presque ramené normalement, si jamais de nuit. Pour la couronne et le pays. Merde. Prêt à recevoir vos ordres. Ouais. Hommes, en avant. Dommage. Troupes, en avant. À vos ordres. Pour la couronne et le pays, en attente de vos ordres. Prochain tour, ils seront réglés ici. On va être en train de renforcer un peu l'armée. Le problème c'est qu'ici je vais pas quitter la ville. Pour le moment, juste si je fais ça, ça peut me débloquer quoi. Pas d'augmente de récupérer l'artillerie à cheval. Est-ce que j'enverrai pas mes. Commencez le siège. Hop là. Arrêtez, pavillon. Et ici, ah bah ici vous voyez, je peux récupérer une deuxième université. Alors. Ici ça pose un gros débat. C'est 15 fois mieux ça. Je suis désolé, c'est 15 fois mieux. Il n'y a pas de débat en fait.
c'est juste mieux. Ici, tu m'apporterais 1000 de plus, je vais quand même te prendre. Avec tous les coups en plus, on va pas dire non. Que si je coupe ça, ouais, c'est quand même pas négligeable. Après ici, il y a un truc militaire là, il n'y a pas de truc militaire là. Il construit des trucs militaires là. Toc toc toc. Objectif avec la deuxième armée, c'est de prendre l'Est, ça c'est une certitude. Mon général, le bonheur des assauts, ce sont du cœur, on pris les armes, sont sauvés, aiguillonnés par leur chef religieux. Nous devons agir, sinon nous allons perdre la vie. Il est vrai que ces fanatiques n'ont pas accepté la population tout entière, mais leurs hommes se battront à mort. C'est un truc scripté, ça. C'est totalement scripté. Alors. Votre Majesté. Oui. Oui, monsieur. En avant, marchez. En attente de vos ordres, à recevoir vos ordres. Tour prochain, le problème est réglé de lui-même. Donc tour prochain, monsieur. J'ai plus de soucis ici, donc eux vont pouvoir amener l'ordre républicain un petit peu plus loin. Ici, mon armée. Froid facile. Grave. Révolte du Caire, la rébellion a été matée, ses meneurs exécutés en public, leurs biens ont été confisqués, tous les citoyens du Caire ont reçu l'ordre de payer une amende. Si ça remplit nos comptes, nous retenons surtout que nous devons rester vigilants pour que plus aucune insurrection ne survienne. Putain, j'arrive plus à parler, moi. Et bienvenue à tout le monde. Alors, morale des troupes, université classique, nous sommes loin de notre patrie, le climat est insupportable, nous épines, nous démoralise. Nous n'avons plus l'énergie nécessaire pour contenir la nourriture de qualité, se faire les réserves de notre armée sont au plus bas. Le moral étant bien, il faut à tout prix trouver un moyen de renouer le courage. Si on construit un bâtiment qu'on suggère avec l'instructeur qui permet aux gentilshommes de trouver une solution à ce problème. Expérience aux unités Monsieur. Militaires. Voilà. Ici, on va faire ça. Hop. Construire un bataillon de 5. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un port de commerce. De toute façon, qu'on construise un bâtiment ou autre, notre flotte ne sera jamais en mesure d'affronter la flotte ennemie. À un moment donné, quitte à ne pas pouvoir gagner à mer, autant avoir des bons bateaux. Après, améliorer tout en chemin de pierre pourrait être intéressant pour accélérer mes déploiements de troupes d'Alexandrie vers l'Est. Donc c'est un truc qui devrait aussi être envisagé assez rapidement. Ici, de toute façon, je crois qu'il n'y a plus... Ouais, voilà. Comme j'ai pété leur armée, il n'y a plus de... répression, entre guillemets. Ça, c'est bon, ça va arriver ici. Avec quoi, hop, voilà, pas besoin de plus de temps artillerie. Je vais faire ces deux bâtiments là, ce qui augmentera ma prod derrière. Et il faut finir avant la fin de l'année 1800 la campagne. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Alors. Normalement, ici, j'ai deux fusées de plus.
Préparez-vous. Marchez. Troupes, en avant. Préparez-vous. Marchez. Oui, monsieur. Voilà, parfait. Oui, monsieur. Troupes, en avant. D'autres ordres? Voilà, ici, on est tout bon. Cette armée-là va descendre au Caire. Pourrais-tu infiltrer ces positions? Nickel. Ça va. Ibrahim Bey. C'est que des miliciens. Enfin, que des miliciens. C'est pas des paysans recrutés, c'est quand même légèrement meilleur que des paysans recrutés. Tant pis, je peux pas vous trouver une unité d'équivalente, c'est un peu dommage. Avoir quelques lights en plus, ça ferait pas de mal quand même. Toi, à rigueur, tu vas partir de l'autre côté, tu vas me constituer une troisième armée, toi. Bon, 12% de coût de construction de bâtiment, non, ça arrive peu assez après. Par contre, si tu peux me construire en même temps un brick ou un aviso, c'est quoi moi. Ça change rien. Le fait d'avoir deux universités me permettra de construire plus vite. Alors attendez. Ah, c'est le bordel les routes par contre. Là, j'ai foutu encore une. Ils vont arriver, tant pis, ils vont me piller ça, c'est pas grave. Donc, on va mettre en temps. La route là et celle-ci. Prêt à recevoir vos ordres ? Non, cette route-là n'est peut-être pas la plus importante, c'est peut-être celle là-haut la plus importante. Quoique ici, j'aurai cette deuxième armée qui passera par là, ce sera important d'avoir cette route dans tous les cas. Mais je vais améliorer encore ça ici, deux troupes de plus. Voilà, on va faire comme ça. Et là-haut, on va faire cette petite ferme. Ça fait toujours un peu de richesse en plus, c'est pas beaucoup, mais on va pas dire non. Avec l'armée qui est ici, je devrais normalement pouvoir prendre Zagzagi là sans trop de problème. Voilà. Tac, comme prévu. J'ai ici une deuxième université. Et elle va tout de suite aller me chercher cette technologie-là. Prêt à recevoir vos ordres. À gauche. Oui, monsieur. Manœuvre terminée. Pour la couronne et le pays. Et nous, on va sauvegarder juste ici. Hop. Préparez-vous pour la guerre. Hurrah ! Hurrah ! Parfait. Et ici, je récupère une usine. Est-ce que tu peux... À gauche, marchez. Ouais, ici, on est bon. Ici, si je veux en déplacer un, là. En déplacer un, comme ça au moins j'ai mon ordre public qui globalement est stable. Ici, prochain tour, on est bon. Répression, et normalement je peux avancer cette armée là au sud. Glorieuse victoire! Prêt! Préparez les troupes pour la bataille! Fier et victorieux! Ça va que c'était des miliciens, ça aurait pu très vite déraper pour moi.
cas. Voilà, ici. Récupérer Suez sera un énorme poids pour nous. Ici, j'ai une deuxième armée qui va descendre, donner un petit coup de main. On va voir. Après, ici, c'est une bonne zone pour ce rip-up parce qu'il y a deux bâtiments qui peuvent permettre d'un. Bon, bah, il y a ça qui. Plus 8%, plus ça, c'est quelques pourcents. Au deuxième level, c'est quoi? Plus 3%, ça va être plus 11%. Donc, c'est toujours des pourcentages intéressants à prendre pour accélérer les rip-up. Ça, je crois que je peux pas le remplacer, non? Coûte 750. J'ai meilleur temps de le raser que le bâtiment. Quoique j'ai quand même gardé, on sait jamais, ça peut être utile de l'avoir. Donc, ici. Suez. Longtemps ils auraient dit ont envisagé de creuser un canal entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Ça permettrait non seulement de réduire le moitié temps de trajet maritime entre l'Inde et l'Afrique, mais aussi d'étendre l'influence de la France dans la région. Nous devons conquérir la ville de Suez pour pouvoir et réaliser ce projet. Nombreux marchands attendent avec impatience de vous voir partir pour Suez, tout comme les scientifiques. Voilà, c'est une petite ville, pas très importante, mais qui vous rapporte 2000 de gold, donc on va pas dire non. Voilà ce que je craignais arrive. Les Britanniques ont débarqué en fait. C'est ça que je craignais. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. L'important c'est de défendre Alexandrie. Attendez, je reviens, il y a mon chat qui gueule. Mais voilà. Alors. Ouais, quelques unités britanniques. Prendre ce point d'appui n'a pas de prix parce que ça me permet d'accélérer ma reconstitution et pas qu'un peu.
Une dépuscate ici. Prêt à recevoir vos ordres. Et pour attaquer cette ville là aussi. Marchez. Bien que j'aime mis la ville là, j'ai quand même repris cette armée là. Quitte à perdre un tour, je préfère replier par précaution. S'il me faut deux cavaliers, ça fera une bonne plus-value de puissance. Après, si cette armée est bien reconstituée après, traverser quand même ici pour prendre la villa, c'est pas négligeable. Le souci en fait, c'est vraiment les bédouins. Autant les mamelouks sont globalement assez faciles à gérer, autant les bédouins sont assez chiants. Voilà, les bédouins ont fait le boulot. Oui, intercepter vos tuyaux. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Voilà, ici je vais aller la chercher cette armée. Ah, je suis en train de me poser la question si mon infanterie peut faire des carrés. Parce que c'est bizarre que je ne puisse que. Garder quelques cavaliers en réserve au centre vous donne de la flexibilité. Au fur et à mesure que la bataille prend forme, vous pouvez, si votre armée a la supériorité en puissance de feu, vous devriez pouvoir chasser un défenseur de la colline avec des missiles. Utilisez toutes vos munitions avant de partir à son assaut. Bizarre que je me fais pulvériser. Mais bon, là, l'IA qui se tape entre les bédouins et les anglais qui sont tapés dessus, ça c'est une excellente nouvelle. En fait, là, le but, c'est que la troisième armée, elle va être constituée en fait pour rentrer dans un bateau, débarquer vers Nico Machin. Et aura pour but, effectivement, bien évidemment, de prendre la ville ennemie. Voilà, de prendre la ville britannique. Comme ça me permettra d'éliminer les Britanniques et d'éviter qu'ils puissent de nouveau débarquer derrière moi, parce que le problème c'est ça. On forme les carrés. La différence entre Empire et Napoléon, c'est que dans Napoléon les carrés c'est surpuissant, dans Empire c'est de la merde. Enfin c'est de la merde, c'est qu'il faut absolument que ce soit déployé, si vous déployez au dernier moment ça marche. Vous voyez ici je perds quasiment pas d'hommes, mais je perds quasiment plus de cavalerie. On
j'ai peur quand même des hommes, mais bon, par rapport à... un Empire 2, ça serait tellement bien, un Empire Total War 2, enfin Napoléon Total War 2 ou un Empire Total War 2. Je préférerais Napoléon. Un Napoléon remaster, mais avec une carte plus étendue. Avec toute l'Afrique, avec tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Inde. Alors, ce que vous ne savez pas non plus, alors ça je vous le dis, quand vous êtes en carré, vous tirez plus loin. Voilà, ça je vous le dis. Quand vous avez fait beaucoup de parties dans le jeu, vous le savez à force, mais... Voilà, après, bon, ça reste une formation qui est très vulnérable aux tirs d'infanterie. Donc parfois, il y a des techniques que je faisais en multi, c'est qu'effectivement, j'envoyais l'infanterie. Bah, j'approchais ma cavalerie, l'ennemi se mettait en carré, mon infanterie était pas loin, je faisais courir, je tirais une taxe dedans. Je repliais ma cavalerie, même s'il se prenait quelques coups, c'était pas trop grave. Tant qu'ils formaient carré, et au global, bah, ça annihilait rapidement en fait les ennemis. Hop là. Formation en carré. Hop là. Allez. Ils vont mourir. Nous avons tué le général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. D'accord. Victoire héroïque. Je n'appelle pas ça une victoire héroïque, j'appelle ça juste une victoire. Personne ne nous vaincra. Mission en cours. D'après nos rapports, il sera besoin de nos troupes de ravitailler en pile les villes frontières et se mettre les rares habitants qui ne restent pas en esclavage. L'épouvantable torture. Nous pensons qu'ils ont formé d'argent plus ou moins solide. Avec nos ennemis, les Mamouks, si nous les écrasons pas, ils continueront de nous harceler, nous pourrons apprendre leur campement, cependant ils pourraient devenir des alliés et guides précieux. Oasis de machin, j'ai sa quête dedans, donc ça va tout de suite calmer la chose. Question. Est-ce que si je fais ça, ça calme les deux régions? Non, bien évidemment, ça aurait été trop beau. Le problème, c'est que la distance que je te fais gagner là, c'est la distance qui va te manquer après pour prendre la ville si je te laisse dedans. Alors, toi, tu vas retourner par contre à ce campement là. Tac. Ici, est-ce qu'on a encore besoin de toi? Non. Ici. Nickel. Si je vous sors les deux, non. Vous deux, vous sortez pas. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là aussi. Hop. Est-ce que je connais très bien le jeu? Oui, je pense que ça se voit niveau mécanisme de jeu. Je connais plutôt bien. Il me faut une armée au complète, je pense, pour prendre le... après, ici, il y a quoi? Il y a un marché, ou pire, au marché, là, je laisserai. Est-ce que ça sera en arrière-pays? Moins 5 de coûts d'entretien pour armée, moins 5. Donc ça fait moins 50 pour 1000, moins 50 pour 1000, j'ai 6000, ça fait moins 300, ça fait plus 300 de trésorerie juste avec une tech. Pas négligeable. Ça de toute façon c'est une priorité absolue. Plus 2% de taux d'imposition globale, ça c'est très important. Bon,
ça m'en fera pile 10 infanteries de ligne, on sera bon au niveau du total. Une autre mission ? Je sais, c'est un peu compliqué de me suivre un peu partout, mais voilà. Napoléon va essayer. En fait, Napoléon va pas aller aux endroits que je pensais normalement. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire ici, des revenus commerciaux. Ici, ça s'est calmé. D'autres ordres ? D'autres ordres ? Ici, pour le moment, j'ai pas le choix. Tac, 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 tac. Cette armée là va vite fait remonter là-haut. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Monsieur, vos ordres ? Voilà. Commencez le siège ! C'est pas une petite ville qu'on récupère là. Voilà, c'est pas une petite ville. C'est une ville qui rapporte quand même un petit peu de richesse, qui est pas trop difficile à prendre et qui au moins nous, une fois prise, on est tranquille derrière. Ici avec ces quatre bataillons là. Alors toi tu vas descendre là, toi tu vas manœuvrer là. Voilà. Parce que je crois. C'est ça, c'est. Alors, fin décembre 1800. Donc j'ai 3 ans pour faire la campagne. Au bout d'un an, j'ai bientôt toute l'Égypte. Voilà. Après, bon, par contre, on va se taper aux Ottomans, ça va pas être le plus simple. Voilà. Par contre, on est content. C'est vrai que le coût de l'armée augmente vite parce que je recrute beaucoup. Mais bon, c'est un petit peu nécessaire aussi. Tac, ici. De toute façon, il faut que j'améliore ma manœuvrabilité de mes armées. Je vais faire 2 miliciens pour qu'ils tiennent la ligne derrière. Je vais te transformer en préfecture, toi, ici. Ici, je t'augmente d'un rang. Ah, quoique, attendez. Annulez-moi ça. Construire ça, c'est plus urgent. Plus 14%, c'est mieux. Homme en avant ! Oui, monsieur. D'autres ordres ? Marchez ! En attente de vos ordres. À gauche. Prêt à recevoir Marchez. Vos ordres. Prêt à recevoir vos ordres. Monsieur. Ça coûte quand même un petit en bras, avant. Tout ça. Petit bras de bébé. Ouais, c'est pour calmer un petit peu. Le but, c'est de récupérer la trésorerie là-bas. Vous, le but, c'est après de vous reformer en quelques tours ici pour après partir capturer Ali Mastrou. J'hésite franchement à raser ça, punaise. Toi ici, tu fais ça, non, toi à côté, non, fais ce bâtiment, à plus cette recherche là, plus urgent. Toi ici, t'es bon, après tu feras conscription. Ah voilà, le dernier c'était l'arrivée de l'Empire Ottoman. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la bon, population ça va, c'est les auxiliaires. Et à produire des revenus commerciaux. Toc. En avant ! Marchez ! Marchez ! D'autres ordres ? Troupes ! Prêt ! En avant ! Je ne peux pas le faire. Hop, et ici, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Victoire est à nous. Canal de Suez et Caravan Marchand sont arrivés
sont arrivées saines et sauves et sont heureuses de nous offrir une compensation pour nos dépenses. En ce moment même, Monsieur le Père examine les restes de l'ancien canal, les rentes d'argent supplémentaires et précise que nous apporte ce projet nous permettra d'intensifier nos recherches scientifiques et de l'améliorer l'institut dont d'Égypte. Notre mieux se répandra parmi toutes les classes intellectuelles. Oh, chose intéressante, je pourrais faire une armée, débarquer à côté et récupérer ça. Où ça? Oh, j'ai jamais pensé à ça. Parce que notez qu'ici... ça pourrait être intéressant de se dire que je récupère ça pour raser cette ville-là, au moins... Non, je peux pas construire de bateau. Ok, bon, bah, problème réglé. Ici non plus. Ok, bah j'ai raison. Donc faut un port militaire pour construire des bateaux. Oui, monsieur. Dans ce cas, je veux pas faire de bateau commercial. Ok. Ici. Alors, ici. Prêt à recevoir vos ordres. Alors. Écrasez-les complètement. Force et honneur. En attente de vos ordres. Immédiatement. Voilà. Au moins on a rasé une bonne partie des armées ennemies. Plus urgent, c'est de finir l'armée du Nord. Enfin, l'armée d'Alexandrie. Je vais compléter avec 5 light et 2 cavaliers. Elle coûte très cher. Mais c'est le minimum qu'il faut. Le but, c'est... Après, le but avec le bateau, c'est de partir là. Tac. Tac. Débarquer derrière. Je perds un tour à débarquer. Puis après, un deuxième tour pour prendre la ville. Et si je prends la ville, après, c'est... Jackpot, parce que élimination des Anglais, 4000 de trésorerie, je crois que je récupère, exact. Donc, nickel. Hein. Dans deux tours, je finis ce truc-là, ce qui me donnera encore plus vite mes technologies. Par contre, j'ai pas eu de chance sur mes gentilshommes, habituellement j'en débloque plus, mais bon. Il y a des games comme ça. Tant pis, on va... Économie... L'armée de Suez va... Ah bah. ...propre à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Dix tours. Il y a un filtre un peu bizarre, je trouve, actuellement sur la map. Toc. Ici au moins niveau. En attente de vos ordres. Hop là. Troupes, monsieur, en avant. En avant, marchez. À recevoir vos ordres. Oui. Oui, monsieur. Victoire. Monsieur. Voilà, vous allez pouvoir vous replier. Voilà. Monsieur. Je vais vous renforcer quelques milliers d'hommes en plus. Prêt à recevoir vos ordres, serviteurs. Troupes. Voilà. Alors,
recevoir vos ordres. En avant! Pour la couronne et le pays! En fait, là, je suis en train de réfléchir après quand je vais remonter Napoléon pour qu'il remonte le plus vite possible, en fait. Oui. Par ici, j'ai quand même pu pulvériser une bonne partie de leurs troupes. Exécuter. Tant pis. C'est vraiment une perte. Ouais. 4 d'attachement en plus, ça m'amène à là. Une bonne petite armée, ça. J'ai perdu par contre mes lights dans cette armée. Tant pis. Autant encore d'off. Torméga va être au complet dans un instant. Ah bah. Tiens. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture. Vous tenez de votre main le premier exemplaire du monde de courrier de j'ai des nouvelles du monde et dernière découverte et sorte de nobles généraux et soldats. Non seulement il nous a remonté moral, mais aussi on a envie de se battre. Oh l'armée, oh, le coup de level qu'elle a pris. Et invaincu. Plus 3 morale, plus 5 en vous commandant en attaquant. Tenez-vous prêt. Allez, on sort ici. Voilà. Oui, monsieur. Ensuite, oui. Toi. De toute façon, je pourrais jamais faire en un tour. Alors. En avant, marchez. Monsieur, vos ordres. Sauvegarder France. Monsieur. Ici, on va embarquer tout ça. Homme, en avant. Mettez les voiles. Vous voyez, je suis déjà en décembre. Alors. Ouh, là, j'ai bien diminué mon nombre de tours. 3 tours, ça va diviser par 2 mon nombre de tours pour faire E-Tech. Ça c'est très très bien. Tenez-vous prêt. Alors. D'autres ordres. En avant, marchez. Ici. Pareil, c'est augmente le taux de reconstitution. Nickel, monsieur, on prend. Détruisez-les. Alors. Alors, me demandez plus l'effet que fait la montgolfière. Je ne sais plus. Alors. À un moment donné, comment ça va se jouer? J'aime pas beaucoup de cavalerie, d'infanterie, c'est un petit peu le problème par contre. Formez carré d'infanterie.
lancer des ordres. Je manque d'infanterie de ligne quand même dans cette histoire. Ouais. Grenadier, tenez-vous prêt. J'ai de la chance, mes boulets sont tapés juste avant. Canon de 6 livres paraît à tirer. Pas peur. Ce carré a cédé. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Ça, je lui ai vu. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Ouais. Et dragon. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup de chance, ils ont pas voulu toucher à ma cavalerie. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Bah, pas voulu toucher à mes canons, pas à ma cavalerie. Ma cavalerie, mes dragons, ils se font café. Et globalement, j'ai sauvé mes infanteries de ligne, malgré les pertes. Ouais, il me faudra quelques infanteries de ligne en plus. Après cette bataille, je vais peut-être enlever de la production de certaines routes pour mettre des infanteries de ligne en plus dans cette armée. Mes canons, 80 de précision, 50 d'habileté à recharger. Ouais, leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Hop là, victoire héroïque. J'ai perdu aucune infanterie de ligne, ce qui est très bien. J'ai rasé leur armée, ce qui est très bien aussi. C'est quoi cette armée? Elle va remonter au nord déjà. Je vais faire sauter ça.
Et pareil ici, je vais faire sauter ça pour mettre ça. Oui. 3, 4. 4, voilà, ça fera un bon petit nombre. Et ça, je vais faire ça. Voilà. Comme ça, ils vont se reconstituer un petit peu. Et à rigueur, je vais enregistrer sous France 1. Comme ça, j'ai une deuxième sauvegarde au cas où. Il y a des terres inutilisées pour l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Ici, hop là. Émeute calmée. Ici, hop, pareil, émeute calmée. Monsieur, immédiatement. Quoique. Impossible, monsieur. Je ne peux pas faire cela. Ah ouais, c'est meilleur temps de rester ici, c'est très joli. Elle rip hop tellement plus vite dedans. Tac. Il y a tout le monde en train de voir mon opération commando. Oui, Préparez-vous pour la guerre. Tenez-vous prêt. J'aurais pas dû l'envoyer, à mon avis, j'aurais dû envoyer la Ripop Starmie. Monsieur. On va bien voir. On va bien voir. Et... À vos ordres. Hommes, d'autres armes. Oui, monsieur. Voilà. Tac. Partez en retraite. Ah putain. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. Hop. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Désastre. Non. On va recharger ma sauvegarde une. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Tac, toi ici, toi remonter là. Hop. Ici d'unité de ligne, parfait. Eux ici. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Je suis au courant. Parfait. 4 infanteries de ligne de plus qui vont bien renforcer l'armée. Si 3-4 tours, pardon, elle sera complète. Ici, faire cette petite amélioration là ne coûte pas grand chose, juste du temps. Hop. Débarquement derrière. Ou bien ce bâtiment là c'est le plus simple taux de reconstitution globale, donc je vais s'imaginer qu'on en avait 5 ou 6. Bon, cette map là par exemple, c'est nous, généralement vous en faites beaucoup,
1, 2, 3 ici, ça veut dire plus 3% au global. Je vous laisse imaginer avec un truc plus 22% de recrutement. Je reviens, il y a mon chat. Vous savez, un chat affamé, c'est dangereux. Vous pouvez le nourrir tout de suite. Alors, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. J'espère qu'en 4 tours, ça sera reconstitué, ça. Ah, peut-être moins avec le changement de... Alors. Ne jamais oublier que l'infanterie britannique est meilleure que l'infanterie française en duel. Un débordement des forces de cavalerie peut être une sérieuse menace pour l'ennemi. Une force composée de cavalerie et d'infanterie, bien que plus lente, est plus dangereuse. Votre infanterie peut s'engager, laissant votre cavalerie libre de tuer. Marche rapide! Horde de groupe! La cavalerie attend les ordres, monsieur! Je vais éviter de perdre Kléber, ça serait bien. Fait chier, c'est qu'ils ont 4 unités de cavalerie là, ils ont donc ils en ont moins sur le flanc. C'est vraiment un truc chiant ça. Après s'ils courent avec toute leur cavalerie. Une infanterie de ligne de plus que... Disons que voilà, c'est une bataille des plus importantes, celle-ci, parce que réussir cette bataille, ça veut dire que je pourrais mettre fin potentiellement à la guerre, enfin détruire les Britanniques, prendre Chypre. Donc, autant vous dire que ça peut être... Et surtout, je récupère 4000 de trésorerie, ce qui est non négligeable. Hop là.
ici, vite, urgence, carré. Où vous allez? Nickel. Ils ont voulu engager leur cavalerie trop tôt. Infanterie, au rapport. Et par contre là je vais avoir un avantage non négligeable contre leur infanterie. J'aurai mon infanterie de ligne. Enfin mon infanterie de light. Mais sans. Infanterie, au rapport. Ouais, vous voyez, ils perdent quasiment rien en troupes contre leur cavalerie avec les carrés. Reste une cavalerie ennemie en stock. Ah, ils ont fait de la merde, Allez, j'ai intégré dans mon infanterie de ligne sexy. C'était pas volontaire ça. Voilà. Vous avez vous repris un petit peu. Le but c'est juste de faire réagir le restant de leur cavalerie. Vous allez désengager parce que le but n'est pas de vous engager en première ligne, c'est de les faire venir. Donc. C'est pour ça que mon infanterie de ligne n'est pas loin de mes lights, c'est à cause de leur cavalerie. La cavalerie attend les ordres, monsieur. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Oui, monsieur. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Et je suis au courant que mes lights en position dispersée se fatiguent, pas mal de le redire. Non, c'est surprenant que ma cavalerie s'en sort pas. On va leur donner un petit coup de pouce. Voilà. Groupe.
Voilà. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est que même les joueurs humains, ils sont toujours perdus quand ils ont la cavalerie derrière eux. Et là, l'objectif, c'est en fait d'aller chercher hors général, parce que si je tue hors général, on va avoir une grosse baisse de morale, puis après, ma cavalerie pourra finir le boulot. Vous repliez, nickel. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Retirez-vous. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Bon, puis ici, je suis en. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Prends ça. Ça, par exemple, l'unité là qui fuit, enfin l'unité qui me pourchasse, ça c'est vraiment une unité ennemie perdue. Hop, vous maintenant vous pouvez aller. De balles, hein, je pensais pas qu'ils allaient en perdre autant d'hommes. C'est pas. Ça se voit quand même que leur infanterie est quand même meilleure quand même. Nos hommes battent en retraite, messieurs. Marche rapide. Est-ce que c'est déconnant qu'on... Après, j'ai quand même économisé pas mal de troupes, hein. L'infanterie classique, donc... Nos hommes battent en retraite, monsieur. C'est les infanteries de ligne qui ont pris... Enfin, les infanteries de light. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal non plus. T'as économisé des vrais soldats. Enfin, les vrais soldats. Putain, j'ai pas vu que vous aviez plus de munitions. Donc.
Est-ce que la bataille coûte beaucoup d'hommes? Oui. Le terrain est dégueulasse. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Le fait qu'ils soient tellement meilleurs que les miens de cette troupe à lui, c'est quand même très compliqué. Tenir la gagne. Parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, à un moment, quand l'unité ennemie est juste meilleure. Ouais, on a quand même été bien dévasté. Hein. Il y a des terres inutilisées propres à la nous avons développé la logistique. De cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Votre humble serviteur. En avant. Oh non. Oh non. Donnez le rappel pour la bataille. Pardon, monsieur. Commencez le siège. Non mais c'est une blague, putain, mais c'est vraiment une... Battez en retraite! Armée, halte! Hourra! Hourra! Non mais... Non mais... C'est juste une vaste blague, putain. Ah putain, non! J'ai encastré cette armée ici, je peux pas l'évacuer. Putain, fais chier. Je recommence toutes les batailles. J'ai même pas la foi de la refaire la bataille. Je vais être franc, j'ai pas la foi de la faire. Ah, fait chier, ils ont deux armées, donc je prendrai jamais leur ville. Que le bousquet soit l'arme favorite de l'époque,
Ne sous-estimez pas la puissance d'une bonne vieille charge de cavalerie avec des sabres. N'ayez pas peur de leur faire goûter à l'acier. Vraiment fait chier. Ce sont deux armées stationnées complètes. Non mais à un moment c'est pas du foutage de gueule. Enfin, bref. Tout le monde va me dire c'est logique, ils n'ont aucune promesse. Oui bon d'un côté c'est pas illogique mais enfin, à un moment c'est pas une ville riche hein, ce qu'ils ont. Hein. Quand j'ai déjà le coût d'entretien de mes armées par rapport Après, si je peux coinceur infanterie de ligne dans ces Ukugo-là, ça peut très vite devenir une la Bérésina pour eux. Hein. Le but c'est de réussir à les encaisser. Le but c'est de les regrouper dans les goulots d'étranglement naturel. Une salve, il m'a tué plus de mouillons en une salve que moi en deux salves. Que j'ai deux lignes qui ont tiré. Bref. Celui qui n'a pas fait gaffe. Par contre, s'occuper d'une ligne comme ça, c'est assez agréable. La cavalerie attend les ordres, monsieur.
monsieur. Alors, on va laisser deux cavaleries à gauche, on va en ramener deux à droite. Hop là. Après ça lie à pas à moi de d'attaquer. Ne l'oublions pas ça. Hop là, vous allez pouvoir vous replier maintenant que la cavalerie ennemie a été dévastée. En fait, ils veulent absolument. Alors. Normalement, ils vont fuir avant. Voilà. Comme prévu. Hop, 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 hop. Vous, par contre, vous n'avez pas tiré parce que si jamais il y en a un qui fuit dans votre direction, vous allez me flinguer ma ligne. Oui, monsieur! Bon, on a pulvérisé au moins une partie de leur armée pour un moment. Après, j'ai envie de dire, si jamais l'IA n'attaque pas, ce que j'en doute, l'IA attaquera forcément, mais si l'IA n'attaquait pas, c'était moi qui gagnais en fait dans autant. Tout simplement, j'avais pas besoin de jouer, je gagnais autant. Vous deux, vous allez vous replier, vous deux aussi. Vous deux, vous. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. En fait, il y a deux cas de figure. Soit ils regroupent tout ici, ce qui serait. Soit ils tentent d'envoyer un détachement à droite et je l'accueille sous mes tirs. Soit, comme il est en train de faire, il va tout foutre dans le canyon.
dans ce cas, il faut que je... En fait, faut que j'anticipe la sortie du canyon avec des troupes. Tirez pas encore. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Marche, rapide, ordre de groupe. État-major des généraux, à vos ordres, rapide de groupe. La Légion Lombarde est prête, monsieur. Si vous pouvez mettre un coup de... Eh ben, à droite, ils vont envoyer, ils vont quasiment pas envoyer de détachement, ils vont tout envoyer dans le canyon. Monsieur. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Monsieur. Non mais putain, mais tirez sur les bons! Tirez sur les bons! Oui, monsieur! Infanterie! La Légion Lombarde est prête! Alors, regarde, vous, non, vous restez engagé, ça va permettre d'épuiser leur troupe au corps à corps. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. C'est un petit peu le bordel, je sais, mais je me suis dit qu'une charge généralisée pouvait marcher et... et au final, ça a marché. Une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Bah finalement, avoir rechargé n'a pas été une mauvaise idée. J'ai finalement, j'ai sacrifié quoi? J'ai sacrifié deux lights. Pour péter tour armé. Rien à dire, hein. Et la preuve que les goûts d'étranglement et les IA, ça fait deux. En fait, pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai décidé d'envoyer toute ma cavalerie chargée. Alors, outre, bien évidemment, l'impact moral que ça provoque de faire charger toute la cavalerie. Il y avait une raison, j'ai pensé à envoyer ça immédiatement, c'est parce que comme l'ennemi était au corps à corps de mes voltigeurs, ils ne pouvaient donc pas techniquement former le carré.
Vu qu'ils ne pouvaient pas former le carré, il n'y avait donc pas de risque, techniquement, que l'ennemi puisse... comme il était au corps à corps, il n'avait pas de risque qu'il me forme le carré, donc il ne pouvait pas contrer ma charge. Et après, je cache pas que la charge d'Angdo, je pensais pas que la non seulement j'arrive à choper hors général assez facilement, qui meurt vite, plus la charge généralisée de ma cavalerie. Voilà. Sur mon front, la bataille est gagnée grâce à la cavalerie. Et là, par contre... La victoire est à nous. J'ai 600 hommes de... J'ai que 600 pertes. J'ai rien comme perte. À l'agriculture, on se prend. Là, par contre, je vais sauvegarder celle-là parce que c'est improbable. Par contre, vous allez rembarquer. Oh, ça coûte quand même un bras ce truc. Voilà. Comme ça, il peut quand même se reconstituer assez vite. Où est-ce que je... Ah, attendez, chargé. Question qui se pose, est-ce que j'ai pas meilleur temps d'attaquer leurs unités que de fuir? Qu'est-ce qu'il reste comme unité? Non, jamais je perds 300 hommes. Enfin... Par contre, si jamais en pétant cette armée, je peux après attaquer Orville, ça serait sublime. Non mais rêvons un peu. Rêvons un peu. Quatre détachements. Je vais garder une réserve de 6. Prendre 4 détachements. L'ennemi tient ses positions, attendant que nous lui livrions bataille. Formons une ligne et attaquons. Le plus important, ça va être les lights. Les lights vont être importants pour... En fait, les lights, je vais les utiliser pour dégommer cette unité-là. Et mon infanterie de ligne classique va être utilisée pour flinguer leur cavalerie. C'est des bonnes maisons ça. 1, 2, 3, vous voyez, 3, 6, 9, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tirs, c'est pas mal. J'ai des régiments de ligne qui ont quand même pris moitié tarif quand même. Les sangliers. C'est ça, ils vont totalement charger la droite du dispositif. Je
de me flinguer je sais pas combien d'hommes avec mes propres tirs. Tari, hop. Objectif perdre le moins d'hommes, donc en sachant qu'il y a une ligne qui s'est pris, ouais, j'ai deux lignes qui ont pris un peu tarif. Et hop, on va chercher cette infanterie de ligne. Finalement, j'aurais chassé cette infanterie de ligne tout à l'heure. Quoique, j'aurais pas pu, parce que j'aurais mis en danger une de mes cavaleries. La bataille d'avant. Ouais. Alors,
On est en train de faire plein de save pour... Préparez-vous pour la guerre ! Retirez-vous ! Pas d'autorésolution, on a compris. Ils ont un fort de ce que je vois. Non, ils n'ont pas de fort. Ok. Formez une ligne de bataille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ils ont 13 infanteries de ligne. Ils me pulvérisent totalement. S'ils auraient un peu plus de cavalerie dans cette armée-là, ça serait un tout petit peu mieux. Mais... Ils se cachent sous les jupons des femmes. On peut pas exiger rédition. Hop, on peut pas exiger rédition. Alors, toi ici, tu vas descendre. Homme en avant. Aujourd'hui, je suis mieux réformé, je suis mieux formé dans cet endroit-là que dans le truc d'à côté. De toute façon, ici, on va faire ça. Tout ce que j'ai fait, c'est pour cette bataille. Tout ce que j'ai donné, c'est pour cette bataille. Faut que j'utilise à fond la forêt. Ok, je pourrais utiliser les hauteurs à droite. Non, ils auront les hauteurs avec, avec cet angle-là. Par contre... Utiliser les forêts pour combattre, ça peut être une excellente idée. J'aurais totalement avantage dans les forêts par rapport à eux. Et si je lance la charge de cavalerie au bon moment... Le terrain a une influence sur la vitesse de déplacement des unités. Restez sur les routes, où l'herbe rase assurera à vos unités la vitesse maximum. Lancez des ordres de groupe. Tuer leur général pour être aussi... Alors... compliqué quand même d'aller chercher le général là où il est planqué. Mais... Toujours pareil, si j'arrive à péter leur cavalerie, ça fait déjà quelques unités ennemies en moins. Attention à leur cavalerie, maintenez votre position. Là, je suis en train de quand même de pulvériser la cavalerie. Ça va faire battre tout la moitié. Merde.
Infanterie. Oui, monsieur. Infanterie de l'île. Donc, faut vraiment que je fasse gaffe à économiser mes hommes, à pas prendre des balles perdues. Ligne prête, monsieur. Cette guerre d'attrition. La cavalerie attend les ordres, le monsieur. Ordre de groupe. Pied léger. Ordre de groupe. Ça peut faire très mal parce qu'il est tout regroupé, là. Cette cavalerie va sûrement mourir, mais c'est pas grave. C'est derrière, je prends la ville. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Alors, cavalerie a été anéantie, quasiment. Cavalerie attend les ordres, monsieur. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Ma cavalerie, j'ai vraiment sacrifié toute ma cavalerie. Nous sommes battus en retraite, monsieur. La cavalerie attend les ordres. Mais. Mais ce sacrifice devrait faire l'affaire. Maintenant, à vous de charger.
troupes sont prêtes, monsieur. Nos hommes battent en retraite, monsieur. En train vraiment de sacrifier. Tout envoyé pour un. L'une de nos unités est à court de munitions, monsieur. Par contre, là, c'est tellement important de les chasser. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. C'est très important de les chasser. Hop là, 14, très bien. Très bien. 12, très bien. La boucherie que je suis en train de faire. Les hommes sont rompus de fatigue. Eh ben finalement, ça m'a fait chier de refaire la bataille, mais le reload qu'on a fait par le passé pour la bataille qu'on a fait derrière ou autre. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Eh ben c'est ce qui va me faire gagner là. Et ces 40 là, c'est ceux qui ont. J'ai sacrifié toute ma cavalerie.
Ah, vous, par contre, vous allez pouvoir me chasser. Eh ben, merci, Kléber. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Nickel, ça c'est un petit bonus. Mon fan fou de la victoire de justesse. Hourra ! Hourra ! Il y a des terres inutilisées propres à la. Oh ! Ah cette bataille. Ah cette bataille épique. Ils se cachent sous les jupons des femmes. Formez une menace britannique. Yes. Ah, et en plus en début 99, ça c'est bien. Monsieur Bonaparte, vous êtes complètement fou. Non seulement vous avez l'audace de lancer vos navires contre Lord Nelson, mais vous avez mis fin à l'ingérence britannique au Moyen-Orient pendant tout le temps qu'a duré notre campagne. Voilà qui apprend l'humilité aux assureurs arrogants. Nous pouvons maintenant faire venir par bateau des troupes françaises entraînées vers nos ports égyptiens. Autant que notre patrie peut nous en envoyer. Oh. Ça, c'est beau. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la flotte Nelson est arrivé, la flotte française, l'amiral français a fait de la merde, il en a perdu toute la flotte française, et Napoléon a dû se démerder. Voilà. Ça, c'est le côté historique. Ah. Par contre, ce qui est génial, en fait, de détruire, par contre, les Anglais... J'ai perdu toute ma carrière dans cette histoire. En fait, en ayant détruit les Anglais, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus aucune flotte qui va débarquer chez moi. Donc ça, c'est déjà le premier gros avantage. Et en plus, parce qu'il y a quand même un petit bonus, on s'est fait 4000 d'or. Et en cette province-là rapporte quand même 1002. Deuxième gros avantage, c'est que maintenant ici, je vais pouvoir débarquer sur les ports arrière des ennemis. Voilà, voilà. J'aurai donc deux lignes de front. Une armée qui va débarquer derrière et qui va en fait dégommer l'arrière. Les villes derrière, effectivement, lignes de front. Et l'autre armée qui va pouvoir remonter tranquillement de nord au sud. Ici, toi. Monsieur. En avant. Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Cher Bonaparte. Troupes, en avant. Tu vas attendre encore ce tour-ci. Ensuite. C'est quoi ? On va fournir trois canons. Ah oui. Et c'est cette magnifique victoire économique. Hop. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population. Ah, et comme ça, c'est bien. D'abord, recensement national va me réduire mes coûts administratifs, donc ça va augmenter richesse. Ouais, 5007. Hop. Sans faire grand chose. Dans un tour, ça sert peu. C'est reconçu.
Ici, donc, ici, je vais attendre un petit peu que tout soit opérationnel. Toi, là, dans un tour, tu devrais être bon. Toi, ici, tu vas attaquer où ? Monsieur, vos ordres ? Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Je vais augmenter un tout petit peu toutes mes fermes. Ça coûte pas beaucoup, mais au moins. Voilà. Donc on sort un petit bateau qui coûte 41, qui permet de débarquer une armée, qui permet de récupérer tout le nord. C'est génial. Non. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Tu sais quoi ? Je vais aller chercher cette armée déjà. Ça fait du bien. Parce qu'en fait, alors, ce qui m'arrive généralement quand je fais contre les Anglais, c'est qu'ils ont une flotte qui part. En fait, ils ont une énorme armée terrestre qui est dans les bateaux en même moment que j'arrive à débarquer. Généralement. C'est rare et c'est même... J'ai pas souvenance d'avoir déjà fait ça par le passé, que je combatte deux armées complètes britanniques sur leur île. Bien évidemment que je gagne. Parce qu'on a quand même affronté quand même des unités qui ont 50 de précision, 60 d'habileté à recharger. Sans artillerie, sans rien. Le canon est prêt, monsieur. Non, je sais. Montez dans les... Dragon au rapport. Horde de groupe. Donc, on va quand même dire une chose. C'est quand même magnifique. Cette bataille-là... Je suis pas peu fier de moi. Deux carrés de droite vont se former. Horde de groupe. Canon de 6 livres paraît à tirer. Les canons. Horde de groupe. N'empêche, un petit mode son sur ce jeu, c'est tout ce qui manquait en fait, pour que je sois bien. Alors. Question, je suis toujours en débat avec moi-même pour savoir pour la suite, effectivement, est-ce qu'on continue si on fait la campagne européenne avec Napoléon, ou est-ce qu'on fait la campagne avec une faction coalisée. Je suis toujours en débat personnel, je n'ai pas encore pris ma décision là-dessus pour... Belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter.
Oui, bon, il se peut qu'avec quelques canons, c'est quand même un peu plus simple de faire les batailles. Ah bah toi, t'es level 8, tiens. Voilà, précision qu'on les batterie. Et c'est pas les batteries de la garde encore. En fait, ils ont XP tellement vite. Bon, déjà parce que c'était une armée qui a commencé à expérimenter, mais surtout... beaucoup de cavalerie en face. Donc ils arrivent à faire facilement beaucoup de kills. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Ouais, mon carré est plus endommagé. Nous sommes puissants et invaincus. Alors, chose intéressante à voir, c'est jusqu'où je peux. En avant, marchez. Je ne peux pas aller plus loin. Question, c'est est-ce qu'au tour prochain, je pourrais... est-ce que j'ai besoin de deux tours pour avancer ou pas? Que là, je gagnerai un tout petit peu de portée de déplacement. Je vais faire ça. Je vais faire la magistrature. Ici aussi. Eh bien, eux ont envie de se reconstituer. Trois cavaleries, ce sera pas du luxe. Ils aiment de moins en moins mon gouvernement. Conscrit. Ah oui, parce que ça manque. Oui, je sais pourquoi. Ils vont moins aimer mon gouvernant parce que je vais avoir cette technologie là, moins 2, à cause de la technologie qui va m'augmenter d'un mon coût de recrutement. Alors, ça peut être très intéressant. Notamment pour débloquer ce bâtiment là, mais je ne vois actuellement pas l'utilité de le faire. J'ai meilleur temps de partir là-dessus. Attends, non, toi tu continues là. Toi t'as meilleur temps de partir là-dessus. Pour avoir le plus sain de répression. Ah, c'est ça. Oui, monsieur. Ah, j'ai oublié de bouger l'armée là. C'est pas grave, ça arrive, d'oublier de bouger une armée. Port à la boucherie. Fier et victorieux, en avant. Glorieuse victoire, en avant, pour la couronne et le pays. Troupes, en avant. Deux tours, on va faire un petit truc quand même, sauvegarder France. Oui. En avant pour la couronne et le pays. Ça fait 3 tours en tout. Là, quoi que je pourrais après embarquer là-bas et... ouais, en 2 tours. 2 tours, armée sera bien reconstituée là-haut, c'est nickel. C'est bien, comme ça des villes qui vont... Vous voyez, comme ça grossit, ça augmente mes richesses un peu globales, donc c'est ça qui est important. Ça augmente de 4, ça m'augmente de 4, ouais, par contre. Parce que j'augmente de 8 ici.
Pas sûr de mon move que je fais avec Napoléon, mais bon. On va trop vite être fixé de toute façon. Non. Mauvais move. Mauvais move parce que je ne peux pas prendre la. Parce que je ne peux pas arriver dans la ville. Donc, le bon move c'est de faire ça. Je serais arrivé en deux tours dans la ville, ça aurait été intéressant. Là, le fait que je perds un tour n'a aucun intérêt. Alors. Alors, juste pour info, ça m'est déjà arrivé dans une bataille d'avoir un... enfin contre eux, donc désert, qui a un goulet d'étranglement, comme par exemple ici, hein, un goulet comme ça, qu'ils envoient toute la cavalerie dedans, mes canons sont en enfilade derrière, ils alignent je sais pas combien de cavaliers en une salle. Ça m'est déjà arrivé par le passé, donc voilà, ne jamais sous-estimer la potentialité de perdre une armée juste à cause de la map. Ou de démolir une armée à cause de la map. Tac. En appuyant simultanément sur les touches CTRL plus A de votre clavier, vous sélectionnez toute l'armée en une seule fois. Cela s'avère utile lorsque vous devez vous déplacer rapidement avant que l'artillerie ennemie ne tire. Marche pas. Le problème c'est que quand il tire, ça a tendance à bugger un peu les sons. C'est le seul inconvénient du mode, c'est que ça bug un petit peu le son. Mais bon, c'est pas... Pareil, parfois quand vous faites les carrés, l'unité d'infanterie, l'unité de cavalerie repasse devant tous vos carrés. C'est drôle pour vous parce qu'au final vous pétez tout le dispositif ennemi sans rien faire. Oh le carnage que c'est en train de faire. Voilà, bon ben on a vu quelques boulets. Bientôt remporté. Allez hop. Pense au truc qui pourrait être amélioré dans le jeu. Enfin, si jamais ils en refont un autre, ce qui pourrait vraiment être amélioré. C'est déjà le premier gros changement, ça serait l'artillerie, que l'artillerie vise toujours le centre de l'unité et non pas le. Et non pas le flanc de l'unité. Ça serait une toute petite modification, mais qui serait extrêmement bienvenue. Pas touché à leur infanterie, mais bon. Victoire ! Ouais, c'est pas ça qui va. Préparez-vous, marchez ! Alors. Pardon, monsieur. On va faire un petit truc. Attaquez !
Pas grave, si... Juste, je vais voir l'attrition que je perds. Je vais voir le nombre d'hommes que je perds dans l'armée. Et en fonction de ça, j'aviserai si je maintiens mon idée à la con ou pas. Voilà, très bonne idée. Je suis en train d'améliorer partout. Bah, toi, tu vas améliorer ça et ça. Et vous, c'est au prochain tour que ça sort. Exact. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. La vertu et la valeur invaincue. Oui. Oh non, ça va, la question est pas si violente que ça. La saison, ce qui a été plus violente que ça. Ouais, l'armée là est presque reconstituée. Non, tu vas pas faire ça, toi tu vas faire ça. Et vous venez tout de suite de comprendre ce que je vais faire. Hop là. Et prochain tour, je prends la ville là-bas. Ici, j'ai besoin... Oh, un tour, c'est bon. Hop. Oui, monsieur. Votre humble service. Fier et victorieux. Sonnez le rappel pour la bataille. En avant, marchez. Homme, en avant. Oui, monsieur. Voilà. Théâtre. Pourquoi je fais théâtre? Simplement parce que ça va améliorer l'ordre public, la richesse produite par mes villes. C'est pas grand chose, mais c'est toujours des riches, c'est toujours du pognon en plus dans la ville, donc on. Et de l'ordre public, bien évidemment. Toi ici, tu vas te reconstituer un ou deux tours, puis tu vas partir sur le nord du Sinaï. Toi, tu vas péter ça. Enfin, Napoléon va... Voilà, ici, c'est bon. Ici, ici, on est bon. Et on a dit... Préparez-vous pour la bataille. Matez les Bédouins. Bien joué, mon général. Cette tribu de si féroces est pour ça maintenant devant nous. Ces hommes nous respectent pour votre puissance et notre courage. Se joindront à nous si nos actions et partagent avec eux le butin de nos victoires. Nos soldats auraient beaucoup à prendre en contact et de ces fiers guerriers. Il ne s'agit que là que d'une tribu parmi les mutuels. Il faut attendre de nouvelles attaques de la part d'autres clans éparpillés dans le désert. Mon général, nos troupes ont beaucoup souffert du climatique hostile. L'armée n'est pas équipée pour affronter les dangers de ces régions désertiques et sera de lourdes pertes si nous y engageons. Si nous recrutons les mercenaires agricoles, nous pourrons apprendre à nous protéger des rayons impitoyables du soleil. Nous serons capables de fournir des unités de combat combinant l'efficacité de l'armée française moderne et la sagesse ancestrale des Bédouins. Accorde une unité aux guerriers à dos de chameau à recruter et ça m'offre effectivement une autre unité guerrier à dos. Voilà. Et normalement, tac. Tu vas attendre un tour ici. Tu sais quoi? Hop. En avant, marchez. En avant, marchez. Préparez-vous, marchez. Tenez-vous prêt. Tac. Alors, déjà, priorité là-haut. Alors, pourquoi c'est important de se prendre ce lieu-là? Voilà. C'est une des villes qui peut, c'est une des rares villes qui peut recruter des dizaines incédi dans multi, donc c'est important de les prendre. Cible assiégée, monsieur. Hop là.
en prenant ici, bien évidemment, on récupère un port, on récupère des richesses en plus. Plus 4, plus 6, c'est bien ça. La richesse de ville commence vraiment à progresser. Ça, c'est vraiment intéressant. Non, je vais attendre un tour. Prêt à recevoir vos ordres. Tenez-vous prêt. Attends, c'est... Monsieur, c'est quelle unité qu'il faut que je construise? Cavalerie à dos de dromadaire. Ah, mais j'ai déjà recruté en fait. Oui, monsieur. Fais chier, mais j'ai pas le choix si je veux faire achievement. Monsieur, enfin, pas achievement, le... la mission. Mon mot d'ordre est discrétion. Ensuite, toi, tu vas aller sur la Syrie. Le seul inconvénient, par contre, c'est qu'ils ont tendance à ne pas nous aimer. Oh, ça va encore en perte. M'attendais vraiment à pire en perte. En avant, marchez. Toc. Voilà, ça me permet de liquider une partie des armées. Limite, c'est rentable faire un port militaire pour faire une armée pour aller capturer cette ville-là qui va me faire cric. Prêt. Marchez. De toute façon, la ville-là, je peux pas la garder. Impossible. Est à nous. Prêt. Une ligne de bataille. 104 hommes. Votre humble serviteur. Hop là. Tout ça ici en grève, ça c'est bon. Ici en grève, c'est réglé aussi. Et où ça, ils sont en grève? Monsieur, non, ici. Aux ordres. Oui. Retirez-vous. Je suis pas con, je récupère avec le pognon. Tenez-vous prêt. Prêt. Monsieur, vos ordres. Je
pourrais me mettre dans les bâtiments, mais ces miliciens vont réussir à me battre. Donc ça, ça, il n'y a aucune utilité de le faire. Ah, j'ai juste me replier. On va y arriver. Il n'y aurait que de la cavalerie, je me planquerais dans les bâtiments de la ville. Fier et victorieux. Prêt à recevoir vos ordres. En avant. Nos troupes vont disparaître si nous restons ici. Tu dois très vite te replier parce que ton armée n'est plus en mesure de combattre. C'est vraiment, c'est une triste vérité. Alors, toi, tu vas aller ici. Commencez le siège. Voilà. Et pour ceux qui font attention, effectivement, nous sommes en juin 99, donc nous sommes à la milieu de la campagne. Et nous avons détruit donc la plus grande menace et nous sommes en train de juste foutre en guerre les ennemis. À gauche, sans trop de difficultés. Bon, par contre, le problème, c'est que tu as quand même amélioré. C'est quand même tentant. C'est quand même très tentant, mais tu vas me raser, tu vas me convertir ça. Ah, ici, tu vas me convertir ça. C'était ultra tentant d'améliorer, mais bon, à un moment, faut aussi être peut-être soft. Hop là. Ensuite, je prends cette ville-là. Cette ville-là, puis celle-ci. Tac, tac. Cette armée là va se reconstituer en quelques tours. Toi ici, Napoléon, tu vas te replier là. La richesse que je perds en un tour. À cause de la révolte. Tac. Plus ça ici. Ça me permettra de débloquer ce bâtiment là. Vous désirez. Alors, parfait. Monsieur, vos ordres. Et le rappel pour la bataille. Préparez une nouvelle défense. Faut que j'amène, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse la bataille. Non, je crois que je vais. Putain, ils vont prendre. Monsieur, immédiatement. Trois batailles, les gens. Épique qui a déjà eu lieu ici. Hop là. Mais en vrai, ces deux-là est intéressant. Parce que c'est deux des villes qui produisent le plus de richesses, donc ça va être toujours intéressant de le faire. Au niveau des troupes, on continue de prendre. Donc ici, on part dans les dépêches. Hop. Petite conversion. Effectivement.
Simonin qui va aller ici au tour d'après. Voilà, comme ça au moins là-haut, on est bon. Oui, on va pas se mentir, ces villes-là sont un petit peu perdues au milieu du désert. C'est pas les villes les plus riches non plus. Préparez-vous pour la bataille ! Assiégez-les ! Non. Je viens de voir les effectifs qui restent dans mon armée. Mon armée est trop affaiblie pour se permettre de lancer une attaque sur la ville. C'est le coup à flinguer mon armée. En puissance 10. Enfin, regardez ce qui reste en troupe. Mon armée est à moitié réduite. Hein. Ouais, ici, on va faire. On va bien rip-hop. Ici, c'est en train de rip-hop tranquillement. Ici, tu as envoyé un soldat. C'est bien, c'est que c'est un peu partout, ça a augmenté mes richesses au moins. Voilà. Et en un tour, ce qu'ils ont récupéré en homme. Après, si je pourrais techniquement prendre la ville ce tour-ci, ça serait très bien. Ils sont faits. Sonnez le rappel pour la bataille. Non. Ça me plaît pas. En fait, ça me plaît pas parce que l'autre armée s'enfuit et elle va m'embêter par la suite. Guerrier à d'autres chameaux. Non, putain, c'était cette unité-là qu'il fallait produire, pas l'autre. J'ai merdouillé. Préparez-vous pour la bataille. Commencez le siège. Attaquez. Pas de panique, tout se passe comme plus ou moins comme prévu, hein. Je suis aux aguets. Voilà. Toc. Et ici. À gauche, marchez. Hop là. Ouais, qu'ici, c'est comme une ville riche. On n'y pense pas, hein, que c'est une ville riche là-haut. Détruisez-les. Bah ici, la je pense que tu peux te laisser faire en auto-bataille. Ici, je vais te laisser encore un tour. Non, ici, je vais faire moi-même la bataille, plutôt. Non, pas là. Eh, si c'est pas pour m'enquiquiner, Bédouin, quand même. Décimez-les. Monsieur, décimez-les. Victoire. En avant, marchez.
Vieux sergent grisonnant, plus 1 de morale, moins 2% de perte d'usure. Ok. J'ai construit un tout petit peu plus d'écho. Toi, tu vas remonter et t'occuper de cette armée là. La victoire est à nous. C'est important de s'en occuper pour me libérer un petit peu mes troupes. Dans un tour, toi t'es recruté. À gauche, marchez. Prêt à recevoir vos ordres. Commencez le siège. Ensuite, on est presque là-haut. Homme en avant, marchez. Tac, on est presque bon ici. Quand on va remonter, on va fournir quoi? 3 unités de cavalerie. Votre volonté. Oui, monsieur. Préparez-vous. Marchez. Tout, 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 tout. Ici, on est bon. Là. Pour la couronne et le pays. Alors. Notre force spéciale, Légion Dromadaire, a pris tout ce dont elle avait besoin pour se au péril. Elle est maintenant prête à partir au combat. Si nous ne se font pas de la chaleur des batailles lorsqu'ils marcheront en terrain hostile. Encore un dromadaire. Allez, on convertit ça. Votre humble serviteur, tenez-vous prêt. L'endroit est mal choisi pour installer le camp. Ouais, t'as tout remonté là-haut. T'es trop faible. C'est pas du tout prévu que je prenne autant par une heure, mais bon, on en profite. Hein. Voilà pourquoi en fait prendre les Anglais c'est pratique après, parce que vous êtes tellement entre guillemets libre de vos mouvements derrière, c'est affligeant. Ici on n'est pas trop mal du tout, on s'est bien installé. Cette armée là est quasiment bousillée, cette armée là va aller récupérer ça encore une deuxième fois. Puis à mon avis j'irai stationner des troupes ici. Si nous sommes en position de force dans la région, il nous reste néanmoins une dernière ville à conquérir, Damas. Nos lignes de cette ville nos lignes qui s'étendent du côté des airs pourront ainsi se rejoindre en août. Cette ville représente une table importante pour réparer en route vers Amec. Nous y gagnerons en influence, richesse, cela sauvera notre position. C'est le dernier bastion militaire et idéologique des Ottomans dans la région. Marchons vers l'est. Toc.
et ils peuvent toujours pas construire de Nizan Issedid. C'est pour ça que c'est bien de faire ça rapidement. Oui. Monsieur, alors, déjà on récupère ces villes. Je reprends juste ce qui était à moi, déjà. Avant tout, c'était une ville qui était à moi. Hein, faut avoir conscience de ça quand même. Hein. Cette armée va directement stationner ici. Voilà, ça permettra qu'elle se reconstitue un tout petit peu, un poil plus vite. Votre humble serviteur. Hourra ! Hourra ! Tu n'as rien d'infanterie, exact. Oui, monsieur. M'en sous douter que c'était général d'infanterie, on y est. Citoyens, marchez ! J'ai souvent celui que j'ai en fait, parce que vu que je joue avec beaucoup marchez. D'infanterie dans mes armées. C'est généralement celui qu'on m'offre assez rapidement en entrée. Voilà. C'est quoi, toi, tu peux être annulé. Voilà, ce truc qui est chiant, c'est les troupes religieuses. Parce que dans ce opus-là, vous pouvez pas convertir. Par contre, toi, tu vas peut-être me faire ça. Oui, monsieur. Hop. En attente de vos ordres. On avance bien. À vos ordres. Voilà. Prêt à recevoir vos ordres. Ouais. Ça fait quelques richesses en plus. Tu devrais pouvoir descendre sur Jaffa. Autre chose ? Exact. Ici, on voit, on voit quand les villes sont fortifiées, il y a ça. Il y a les petits forts qui apparaissent à côté de la ville. Donc Jaffa, Jérusalem, ce seront deux villes en plus que j'ai récupérées. Ça me fera des richesses en plus. Au prochain tour, c'est bon. Toc 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 toc. Immédiatement. Que voulez-vous ? Silence garanti. Il va me falloir en fait, il va me falloir regrouper mes armées. Mais me prendre cette ville-là, me... Avec cœur économique et... faire effort sans moi. Nous gagnerons. Monsieur, faites-leur mordre la poussière. Je vais être sûr que cette armée revienne pas. Grave, invaincu. Marchez. La victoire sera à nous. Personne ne nous vaincra. Monsieur, vos ordres. Nous
Nous avons triomphé. À gauche, marchez. Potentiellement perdre cette ville-là. Deux tours gelées, deux tours. Ouais, ça peut devenir ça. Regarde bien ces murs en général que mes croisés avant nous avons assiégé facilement conquis cette ville. Le navire Jaffa ont été libérés du joug de. Navire de transport disponible d'un port d'attache sûr et les citoyens de Jaffa ont été libérés du joug de despotes locales. Mais ceci n'est pas une étape importante, je reconnais la victoire. Devons nous hâter de rejoindre Hague dès que nous aurons choisi notre position. Hop. Que voulez-vous ? Voilà. Me faire comme ça, en fait je vais faire ça, je vais faire 2-3 bataillons d'infanterie de ligne. Ça coûte un peu plus cher en entretien, mais au moins je suis sûr que la ville retombera pas derrière. La rigueur, ouais, de toute façon ça sert à rien. Ces deux là ça rapporterait pas grand chose de plus d'améliorer le bâtiment. Ici ça me... Préparez-vous, marchez. En avant, marchez. Dans un tour, ça devrait être bon. Wow. À gauche, marchez. Citoyens, marchez. Tac. C'est quand même impressionnant, ici j'arrive à tenir les villes avec qu'un seul truc d'ordre public. Ouais, c'est ça, deux armées. Très bien. Ma mission. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Quatre tours d'usure. En sachant que je perds combien. J'ai fait tomber en ton main. Tout à l'heure, prenons Rack. Nous avons l'impression qu'on verra pour avoir le temps de nous préparer et organiser. Henri a progressé. Nous avons réussi. Monseigneur, Rack est entre nos mains. Personne n'aura parié sur nous, mais nous l'avons fait. Les hommes encore valides établissent maintenant des défenses. Lorsque les autres auront récupéré de réforme, les maladies seront prêts à repousser toute leur attaque. En fait, j'ai vu que je suis parti du haut. J'ai beaucoup d'events que je débloque en prenant les villes plus au sud. Prêt à recevoir vos ordres ? Oui. Alors ça, on va pouvoir faire une école. Normalement, normalement dans les missions, on prend d'abord ça. Ça, puis ça, puis ça, puis ça. Avec la technique que j'utilise, c'est quand même plus simple. On se pose moins de questions. Toc, 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 toc. Prêt à recevoir vos ordres ? Marchez, oui, monsieur. En avant, marchez. C'est
C'est pas forcément parfait, mais au moins ça permet d'avoir quelques troupes valides et fraîches dans ma dans ma ville. Il y a une technique aussi, c'est rapidement prendre cette ville-là, comme ça j'ai détruit Mamluk. On va te faire comme ça, plutôt. J'ai hésité, je voulais avoir rapidement les 2000, les 2000 ont bien été utiles. Donc d'abord pour détruire Mamluk, puis après préparer le débarquement, il y a comme technique. À vous de voir celle que vous préférez. Je vous en ai montré une qui marche dans tous les cas. La position s'est augmentée de 15, enfin de 10. Toujours 5% en plus. Hein. Non, il n'y a aucun intérêt. Économiquement, c'est juste gaspiller du pognon. D'armée, hein. Toujours plus. Voilà, un peu plus de richesse. Faire un tour là-dedans, comme ça au moins ça diminue encore d'un tour ça. Personne ne nous vaincra. Grand général. J'en ai marre des ennemis, il y en a trop, il y en a partout. Éliminez l'ennemi. Victoire. À gauche, marchez. Tout 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 tout. Et victorieux. Oui, monsieur. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que je ferai après, est-ce que je commencerai la campagne européenne aujourd'hui? Non. Je termine la campagne égyptienne et j'arrêterai pour aujourd'hui. Même si elle aurait pu durer bien longtemps. Ça permet aussi surtout de bien découper pour ceux qui regardent en rediffusion sur YouTube. Pour qu'ils puissent se retrouver aussi derrière. Parce que ça, faut aussi penser à vous. Cher ami YouTubeur. Cher viewer de YouTube. On est bien. On est vraiment bien. C'est vraiment une campagne tranquille. Le fait que j'ai tous les chemins, c'est tellement agréable. Jérusalem, une des villes les plus riches qu'ils ont. À un moment, quand on ne sait pas quoi faire de son pognon, on investit. J'ai investi un petit peu. Faire tomber Jérusalem pourrait être. Prendre Jérusalem peut être intéressant, économiquement parlant. Non, je refuse. Nous avons triomphé. L'armée perdra des hommes ici. En avant.
Et ben... je vais en mettre 4. 3. Voilà. Les grenadiers. D'ailleurs, ici. À gauche, marchez. Palestine. Oui, monsieur. Trois faciles. Je sais pas pourquoi ils sont torpillés. Mais comment ça m'arrange. Prêt à recevoir vos ordres. Voilà. C'est dommage par contre que le coût est le même coût que le coût de construction du bâtiment. Alors, avoir pensé à ajouter cette option sur cet opus là est génial. Mais j'avoue que le coût est... pique toujours un petit peu quoi. J'attends vos ordres. Voilà. Et que de poésie, mieux. Même si ça, ça donne beaucoup de richesse par tour, je pense que la cour de justice reste toujours mieux comme bâtiment dans les monovilles. Que c'est un pourcentage d'imposition en plus, donc c'est pas négligeable. Monsieur, en avant, marchez. Votre humble serviteur. Préparez-vous pour la bataille. Au nom de notre gracieuse majesté, je revendique cette terre. À gauche, marchez. Bon, objectif, c'est juste emmerder l'adversaire. Si on voit qu'ils ont plein d'Azar. Ah, c'est direct, ok, c'est direct. Monsieur, homme, en avant. Votre humble serviteur. Quoi? Oubliez-vous, reculez. J'avoue être surprise de perdre cette bataille. J'avoue que je m'attendais pas à perdre la bataille là. En auto-résolution. Monsieur, préparez-vous, marchez. En avant, marchez. Prêt. Préparez-vous pour la bataille. Ceci est notre terre. Nous sommes venus. Voilà, ici, je suis stationné, je suis bien. En avant, marchez. Prêt à recevoir vos ordres. À gauche, marchez. Oui. En avant, pour la couronne et le pays. La victoire sera à nous. Brave, invaincu. Cette fois-ci, ça gagne l'autorévolution. J'y comprends la que dalle. La valeur invaincu. Victoire! À vos ordres! Décimez-les! Ils sont généraux de mémoire où vous ne pouviez pas vous reconstituer. Allez-vous c'est bien ça. En avant! Marchez! Hop là! De toute façon, on voit que le delta du Nil, c'est là, c'est plus sécurisé hein, pour les bâtiments.
Pareil, improbable quand même. Mais voilà, il y a vraiment moyen de speedrun la game. En fait, une fois que vous avez l'Égypte, vous avez la majorité des territoires qu'il vous faut. Alors, on sauvegarde. Parce que si jamais ça va pas, on va faire nous-mêmes. La vertu et la valeur invaincue. Détruisez-les. Prêt. Préparez-vous. Marchez. Nous triompherons. Ok. Hop. Ouais. Et ma question, c'est est-ce que tu peux contourner maintenant toute leur ligne ? Votre humble serviteur. Bataillon prêt ! Bataillon prêt ! Monsieur ? En avant, aux armes, marchez-vous pour la bataille ! Ah putain, ça a pas marché. Ça a pas marché ! Je pensais juste avoir à portée pour prendre après la vie. Donc pas le choix, faut que je la fasse. Ah, pas mal ce bâtiment en défense. Pas mal, beaucoup de murets. Avec parapet qu'il y a tout autour. Ah bah c'est bon. C'est un excellent bâtiment pour tenir une position hein, s'il n'y a pas d'artillerie. Et de l'autre côté, il y a quoi? J'aime bien, moi, les maisons comme ça. Par ici, celle-ci. Aussi intéressante aussi. Alors, vous viserez quand votre bataille commencera directement ceci. L'ordre d'attaquer à toute l'armée restreint toutes les chances de prendre l'avantage. Même si vous avez assez de force brute pour gagner, vous perdrez beaucoup plus d'hommes que nécessaire. Même ça, je suis au courant, on m'apprenait rien d'un point de vue stratégie. Ça sert à rien d'engager 10 bataillons si 2 bataillons suffisent. Enfin, c'est le béaba de l'art militaire, ça. Putain, qu'est-ce que vous foutez ?
Nos hommes battent en retraite, monsieur. Par contre, des unités normalement de merde au corps à corps qui arrivent à tenir des grenadiers, qui sont une des meilleures unités de corps à corps actuellement. Voilà quoi. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. A savoir contre l'Empire Ottoman, c'est pratique d'avoir beaucoup de cavalerie, parce que vu que leurs unités sont... Ils ne peuvent pas former le carré dans temps normal, ben... Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Bon, après, ils ont besoin d'un peu de repos. Se faire ouvrir en deux. Ah, c'est des paysans, hein. Faire ouvrir mon armée. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Perdu mes unités, youpi, en deux tirs de canon. L'unité a fait moins moitié. Moins 50%.
hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Ingérable. Cette bataille me gave vraiment. Hein. Nos hommes battent en retraite. Et quand je dis qu'elle me gave, et c'est pas qu'un peu qu'elle me gave. Hein. La vache! Auto-résolution, elle gérerait mieux que moi. Hop, j'ai perdu l'autre moitié de ma cavalerie là. C'est bon, sort des unités, enfin. Pareil pour des unités de miliciens, le moral qu'ils ont, mais c'est indécent, putain! Nos hommes battent en retraite, monsieur! Ouais, vous savez quoi, elle me gave cette bataille. Vraiment, elle me gave. Oh la vache! J'ai tout sauf envie de la faire, cette putain de bataille de merde! Auto-résolution, j'ai pas envie de la faire, elle me gave. Allez hop. Top, à un moment c'est bon, ça me gave. Inintéressant au possible, putain, équilibré comme de la merde. Écrasez-les comme des mouches. Nous sommes puissants et invaincus. En avant pour la couronne. J'aurais juste plein de cavalerie en fait, son armée elle ferait rien du tout, mais vu que j'ai pas beaucoup de cavalerie, enfin, que je fais des armées équilibrées. Donc voilà, au moins je me fais pas chier, la bataille est gagnée, easy peasy. Chassez-les ! Hourra ! Hourra ! D'autres ordres ? Ah. Bataillon prêt ! Courez ! Quand une bataille me gave, sincèrement, surtout quand je peux pas gagner d'autorésolution, je m'embête pas. J'ai la portée pour attaquer la ville, mais l'IA n'arrive pas à attaquer la ville. En avant pour la couronne et le pays. Courez ! Non mais c'est une vaste fumisterie ce jeu, à des moments. L'auto-résolution, allez hop. Hourra ! Hourra !
Youpi, j'ai dégommé deux armées, maintenant je peux me replier. Monsieur, citoyen, marchez. Collecte de ravitaillement. Voilà, allez, hop. On va jouer comme je veux qu'on joue, donc ça n'est jamais replié, je vais rester tranquillement. Retirez-vous. Sincèrement. Non mais c'est. Ouais, c'est bon, j'arrête. Allez, hop. Je vais arrêter d'essayer de me faire chier. Voilà. Alors, deux armées à reconstituer. Je vais envoyer cette fois-ci deux armées dans leur tronche. Je ne vais pas envoyer des armées dans la tranche ennemie. Monsieur, vos ordres ? Préparez-vous ! On sait tous comment ça va se finir. Ça va finir que je vais arrêter d'essayer d'attaquer autre. Que je vais totalement ignorer. Et que ça ira bien mieux. Ton navire. Alors, 6228. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que c'est chiant d'affronter plein de light quand on n'a pas assez de cavalerie. En fait, la bataille, je sais que je la gagne, mais je sais que je la gagne avec plus de pertes que si c'était une auto-résolution. Nous avons donc, triomphé. Donc, j'ai pas intérêt en fait à la faire. Les miliciens, vous allez là, vous retournez là. Préparez-vous, ouais. Marchez. Oh. Bonjour. Une autre mission. Rien. Alors. Dans un tour, toi t'es bon. J'ai vraiment voulu faire mumuse, et ben à un moment ça me fait plus mumuse. Monsieur, du tout. Vos ordres ? Ça m'épuise. Bon, bon cavalier, maître canonnier, oui, toi tu prends, oui, t'arrives toi. Battez pavillon ! En avant, marchez ! Ça fait mal le général. En avant, marchez ! D'accord. Moi, ça évite qu'ils puissent venir ici. Napoléon, toi, va me chercher, eux, maintenant que tu les as bien flingués. Brave, invaincu. Encore une fois, tu vas être flingué. Reposons-nous. Glorieux. En avant. Un, deux, pour trois, la quatre, couronne cinq, six, et sept, le pays. Huit. Faut que j'ai plusieurs tirés dans l'armée pour qu'il ait le trait général d'artillerie.
qu'ils activent. Recevoir vos ordres. Homme, en avant. Recherche de ravitaillement. On souffre du dur. Monsieur. J'ai oublié de vous réparer, vous. Putain. Alors, toi, tu vas aller ici en maintenant. Mes en yeux sont les vôtres. Je prends la cible en filature. Vraiment dommage que t'es foiré, mon ami. D'après vous, l'autorésélection prend Gaza ou pas? Assiégez-les. Quand on est marre de faire les batailles. Voilà, parfait. Détruisez-les. Victoire. En parfait. Avant. Pour la couronne et le pays. Oh, elle va se régénérer tellement vite, cette armée, avec, à Gaza. Oh, c'est des grandes provinces, mais il n'y a pas beaucoup de richesses dans ces provinces-là. Bah, techniquement, en moins de 2 ans, vous pouvez la gagner cette campagne. Vous pouvez la gagner avant 1800. Monsieur, vos ordres ? Si vous faites pas de la merde comme moi. Du campement. Prêt. En avant, marchez. À gauche, marchez. Hop là. D'autres ordres. Allez, on avance avec cette armée. Et quand c'est en vert, ça se remplit tellement vite les troupes, c'est indécent. Éducation, ah bah j'ai toujours mon plus 8 d'éducation. Ça c'est bien. Donc avoir que même mes bâtiments là donnent plus 8. C'est dommage qu'ils ne m'indiquent pas dans la richesse, mais... Ça n'a pas écrit quand vous voulez construire un bâtiment, mais... C'est bon à savoir que ça donne de la richesse en plus. Fiers et victorieux. Voilà, ils sont faits. Oh, à la boucherie. Victoire. En avant, marchez. À vos ordres, insacrez-les. Oui, monsieur. Alors. Monsieur. Commencez le siège. Oui, enfin j'ai tué les Mamelouks. Regardez-moi tout ça. Alors, renégat ottoman, plus 5 commandés quand vous vous battez contre les ottomans. Ça c'est bien. À vous en. Eh ben... Je pourrais tellement aller les chercher maintenant et leur ville qui reste. Et hop, toi tu vas remonter sur Damas. C'est pas Napoléon qui le prendra, mais je m'en fiche. Totalement. Campagne
Il ne vous reste plus que 20 tours. Travailleurs en grève, fini. Vous n'aurez disponible. Voilà. Et ici on peut. Je vous cache pas que pas très utile les grenades. Or. Pas utile du tout. C'est juste au coup d'en avoir et de dire ah, j'ai des grenadiers, mais. À part ça, d'un point de vue militaire, c'est pas l'unité la plus importante. Tenez-vous prêt. Je ne peux pas faire cela, monsieur. Détruisez-les. D'après vous, elle gagne d'autorésolution. Grave. Invaincu, donc monsieur. Heureux qu'avec l'armée derrière, elle gagne. Préparez-vous. Marchez. À vos ordres. La vertu et la valeur, invaincu. Pourchassez-les. La vertu et la valeur, invaincu. Homme, en avant. Toc, cette armée remonte au nord à vitesse grand V. Pour récupérer Damas. Recherche de ravitaillement. Hop là. Bon, en réalité, l'expédition d'Égypte a été une catastrophe. Hein. Il y a beaucoup de découvertes, il y a énormément de découvertes scientifiques qui ont pu être réalisées. Par contre, militairement parlant, ça n'a pas été un succès hein. Du tout la campagne d'Égypte. 7000 par tour. Monsieur, formez une ligne de bataille comme rat en cage. Voilà. Bon, en réalité, on aurait pu espérer beaucoup plus rapidement la victoire. Si on serait avec l'armée, on serait directement sur Damas, on aurait gagné. Décembre 1804, j'étais à Notre-Dame. C'est avec fierté que j'ai vu Napoléon devenir empereur de France. J'ai trouvé la couronne de France dans un caniveau, dit-il, et je l'ai prise. Vive l'empereur! Voilà, voilà. Et soit effectivement c'est accra à ça. Ou on partira dans la campagne de la coalition avec l'une des factions coalisées. En sachant que chaque faction a son avantage, chaque faction a. Un intérêt plutôt agréable à jouer. Personnellement, j'ai une préférence pour, quand je jouais coalisé, j'ai une grosse préférence pour la Prusse. Les Anglais, j'aime pas jouer naval, donc voilà, problème réglé. L'Autriche, j'ai déjà testé, c'est vraiment le bordel, leur faction. La Prusse, c'est agréable. Enfin, vraiment, j'adore la Prusse. On n'a pas beaucoup de territoire au début, mais on a vraiment des opportunités extraordinaires. Et la Russie, parce que c'est juste cool d'avoir des obusiers qui tirent aussi loin que de l'artillerie. Petit rappel, hein, posez qui soit la question pourquoi les Russes sont si agréables à jouer. Ils ont simplement ce qu'on appelle les licornes, ça coûte un bras et demi, mais ils ont une artillerie obusier qui tire extrêmement loin. Là où effectivement les autres tirent à 400, ils tirent à 450 de base, ou
550. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream qui était plus court, enfin plus ou moins court à ce niveau-là, parce qu'effectivement, j'ai un peu rallongé volontairement un petit peu. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à ciao tout le monde.